Chers téléspectateurs, bonjour Bonjour à à tous. tous. Je suis Bassam et voici le professeur Wang. Nous avons fini d'apprendre tous les mouvements de l'enchaînement complet du Nunchaku. Professeur, aujourd'hui nous allons continuer nos révisions. Exact. Alors commençons. Lors de cette leçon, nous allons faire une révision générale. Situation de combat, mouvement de base, enchaînement de base et travail de la forme complète. Commençons par le combat. Revoyons les différentes techniques de combat abordées contre un seul adversaire à main nue. L'offensive. La feinte. Combat contre plusieurs adversaires à main nue. Combat contre un adversaire armé d'un sabre. Combat contre un adversaire armé d'une épée. Combat contre plusieurs adversaires en armes. Jeter et récupération du bâton B. Mouvement de ressort. Frapper vers le bas en saisie double. Frappe vers le bas et vers le haut. Rotation à plat et frappe oblique vers le bas. Balayage du bâton. Frapper ou fouetter vers le haut. Piquer vers l'avant. Sursaut et frappe oblique. Frappe vers le haut et vers le bas en saisie inversée. Rotation à plat. Balayage sauté et retournement. Mouvement de ressort avec le bras. Mouvement de ressort avec la hanche. Changer de main sous l'aisselle. Changer de main dans le dos.
projet de main derrière les hanches. Changer de main derrière la nuque. Moulinet latéral vertical. Moulinet latéraux alternés. Moulinet vertical dans le dos. Changer de saisie en rotation. Bruce Lee a dit « Il n'est pas compliqué de corriger l'aspect extérieur des techniques. Le plus difficile est de corriger l'aspect interne des techniques en allant à l'essentiel, en recherchant la simplicité, la rapidité et l'immédiateté. Le pinacle de la voie martiale est simplicité, naturelle, immédiateté et puissance. » Vous aussi, vous êtes passionné de Nunchaku? Alors restez avec nous pour la suite de notre entraînement. Enchaînement de base. Bloquez le bâton sous le bras en position arc et flèche. Sursaut et frappe oblique. Su Qin porte son épée dans le dos. Le serpent d'or s'enroule autour de la tête. Coup de pied retourné. Le cheval sauvage saute la rivière. La foudre et la tornade. Anéantissement total. Exercice de la forme complète, position de départ et blocage sous le bras en position arc et flèche. Fouettez vers le haut en position du pas vide. Frappe vers le bas en position arc et flèche. Fouettez vers le haut en position arc et flèche. Sursaut et frappe oblique. L'aigle déploie ses ailes. Les gémons font du tambour. Cachez l'épée. Frappe vers le bas en spirale. Poussez du Nunchaku en position arc et flèche. Nunchaku dans le dos en position du petit T. Su Qin porte son épée dans le dos. Frappe vers le bas en reculant. Pression gauche-droite. Moulinet et blocage sous le bras. Le serpent d'or s'enroule autour de la tête. Cacher l'épée. Sortir l'épée. Regardons maintenant les deux premières parties de l'enchaînement complet.
La fée agite ses manches. Moulinet et blocage sous le bras. Coup de pied retourné. Le cheval sauvage saute la rivière. Le paon fait la roue. Le phénix ouvre ses ailes. Racines enchevêtrées et branches imbriquées. Fouetté vers le haut. La foudre et la tornade. Se frayer un chemin. Anéantissement total. L'esprit du héros et retour en position fixe. Regardons maintenant les troisième et quatrième parties de l'enchaînement complet. Regardons maintenant le professeur exécuter le Traoru de Munchaku en entier. Souvenez-vous que l'exercice de l'enchaînement complet vous aide à acquérir une maîtrise systématique des techniques du Munchaku. Chers téléspectateurs, voilà pour nos révisions. Nous avons révisé toutes les techniques du Traoru. Professeur, nous pouvons maintenant nous entraîner seuls? Oui. Alors j'espère que tous les téléspectateurs s'entraîneront sérieusement. Chers amis, il est temps de nous quitter. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir. Au revoir.